Je sais que pour vous, tout est beau, tout est rose, etc. Mais je parlerai pas des dizaines et des dizaines de fois de gens qui viennent me demander des choses. Que ça soit de l'argent, que ça soit des services, que ça soit tout et n'importe quoi, etc. Ça, j'en parle pas parce que c'est, pour moi, c'est hors réseaux sociaux. Là, on parle de, des réseaux sociaux, de ce dont je peux communiquer, des vidéos, des stories, etc. Tout ce qui se passe, entre guillemets, en privé, pour pas afficher les gens non plus, parce que moi, ça me fait pas plaisir de vous dire à la famille, tous les jours, je dois avoir au moins 5-6 personnes qui me demandent de l'oseille ou qui me demandent de les aider. Tu sais, j'ai aucun mérite à vous dire ça comme ça, tu vois. Ils sont déjà bien dans la merde, eux. Donc ça je le prends pas en compte et je le prends pas comme quelque chose à en parler sur les réseaux tout simplement. Parce qu'on est sur quand même de la dignité humaine. C'est pour ça que j'ai jamais compris. Ça c'est genre le cancer. C'est genre, tu sais, les gens sur les réseaux qui se filment en faisant des bonnes actions. C'est-à-dire c'est comme si là moi je prenais ma caisse, après chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, j'ai même pas le temps de te donner l'heure. C'est comme si là je prenais ma caisse et j'allais distribuer et je faisais que me filmer. Mais frérot, tu veux prouver quoi? Tu veux prouver au bon Dieu? Tu veux prouver aux gens? Après, tu vas me dire, parce que tu sais, vous êtes vifs. Ouais, mais le fait que toi, tu le fasses parce que t'es connu, ça peut influencer des gens à le faire. Moi, je préfère te le dire. Juste, donner aux gens. Voilà, donner quand vous pouvez. Donner ce que vous pouvez. Je suis pas obligé de te montrer comment je fais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est pareil.